Un article de la presse nous a donné envie d'aborder cet autre problème en éducation, à la tricherie avec ChatGPT, les fameux robots conversationnels. Des enseignants de, de cégep s'inquiètent parce qu'ils voient de plus en plus de textes issus de l'intelligence artificielle dans les travaux des étudiants. Et, et le problème, Emmanuel, c'est que c'est très dur de, de déceler hein, et de prouver le plagiat. Oui, parce qu'on peut prendre ChatGPT qui fait 90 du travail pour nous, puis après ça, on change des mots, on adapte des trucs, etc., mais tout, le, le, tout le, le côté réflexion a déjà été fait, mm -hmm. et c'est ce qui rend ça si difficile. Euh, ceci étant dit, moi, je pense que... De plus en plus d'enseignants se questionnent à comment euh, aborder ce problème-là. C'est sûr que pour tout ce qui est examen, etc., la solution est simple c'est d'abandonner tablette, ordinateur, etc., les faire en présentiel, faire des oraux, qui sont la ça. bonne vieille méthode. Hein? Mm -hmm. Puis... C'est drôle, mais ça fonctionnait. On est tous passés par là. On n'en est ouais. pas mort. Mais je pense que le problème, c'est tout ce qui touche les rédactions, les travaux de session, etc. Euh, ça, c'est un vrai casse-tête. Ouais. C'est ça. Les profs doivent adapter, au fond, le, le, leur stratégie à la tricherie. Écoutez ce professeur-là qu'on a entendu sur les ondes de, de LCN cet après-midi. Par exemple, moi, j'enseigne principalement les mathématiques, alors j'ai des élèves, par exemple, qui peuvent utiliser une application comme Photomat. C'est une application gratuite où tu prends une photo d'un problème et ensuite, l'application peut te fournir une solution, en fait, à l'espace de quelques secondes. Alors, c'est sûr que pour moi, de, 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 de laisser mes élèves faire des devoirs à la maison, bien, ça fait en sorte que j'ai plus nécessairement le pouvoir de savoir si c'est eux qui faisaient les devoirs. Et là, là, ça devient compliqué, compliqué. Paul. Ouais, mais ça, quand même, ouais. à force, est-ce qu'on en algèbre. Hein? Ah, oui. <laughs> Mais euh, bon, la tricherie, ça existe de, de tout temps. Ouais. Ruse et contre-ruse hein, dans le monde de l'enseignement. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Mais il n'y a rien comme la bonne vieille méthode. Au fond, euh, la dictée en classe pour mm -hmm. mesurer le degré de connaissance de, 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 de la langue, du français ou d'autres langues en classe, pour les mathématiques, des, des, des exercices euh, en présence, dans la classe, sans téléphone et sans tablette non plus, c'est une autre bonne méthode. Mais effectivement, là, ça, ça complique de... Plus plus en plus la, ouais. la vie des... La, la solution de la facilité que voulez-vous l'être humain, peu importe son âge, euh, est, est tenté à, a priori. Ouais. Euh, il faudra sans doute développer aussi au même rythme les contre-mesures hum. pour aider les profs. Ouais. Et encore une fois, euh, Paul, c'est l'effet sur, sur notre cerveau. Hein. Je, me, je me rappelle de Jean Piaget, le biologiste, le, le, le psychologue, ouais. on l'étudiait dans, dans mes cours de, de psycho, il disait, il y a beaucoup euh, euh, étudié l'intelligence notamment, il disait que l'intelligence se développe quand le sujet entre en activité avec le réel, avec ces outils-là, les réseaux, les écrans. Bonne chance pour notre QI, là. Il n'y a rien Pardon. comme le concret. Et, et Moi, l'année dernière, j'écoutais un reportage à, à, à la radio de Radio-Canada sur la Suède, un, un reportage très élaboré. Les, les Scandinaves, les Suédois en particulier, qui ont été les premiers à faire le, le saut dans la nouvelle technologie appliquée dans, dans, dans les écoles, dans le monde mm -hmm. de, de l'enseignement, et qui ont été les premiers à s'en retirer, constatant les effets tellement négatifs ouais. et, au fond, contre-productifs de ça. Vous savez il n'y a plus aucun téléphone ou euh, tablette ou ordinateur permis dans les classes en Suède depuis, je pense, le début de l'année mm -hmm. scolaire, depuis, depuis septembre. Euh, ils ont compris que, eux, c'était beaucoup plus négatif que positif. Ouais. Mario? Oui, mais, mais, par exemple, pour des travaux à la maison, là, quand l'enseignement, parce que ça, c'est une chose que tu peux faire en classe, l'examen sans outils. pour les travaux à la maison, moi, je vois de plus en plus des enseignants... Qui intègrent ça, qui disent, regardez, ça existe. Demandez-le à ChatGPT. Euh, donc, enrichissez votre travail. Ça va vous permettre d'en faire plus, plus vite. Mais justement, comme disait Emmanuel, je vais vous le faire présenter dans un oral en classe. Je vais, je vais trouver des moyens que mmh. vous, vous allez pouvoir aller plus loin, chercher plus, fouiller plus, Intégrer, comprendre plus. Ouais. Mais dans un oral, vous allez me prouver que vous le comprenez vous-même. Vous ne vous l'avez mmh. pas juste comme un robot le fait faire par quelqu'un d'autre, ouais. que vous l'avez intégré, compris, que vous êtes capable de le répéter dans vos mots, de répondre à des questions sur le sujet. Mais je pense qu'il y a un point. Où on ne pourra pas se battre contre ça. J'avais fait une démonstration, parce que Emmanuel parlait de travaux faits par ordinateur, j'avais fait une démonstration dans mon émission l'année passée avec ChatGPT. Là, on avait fait, je ne sais pas si c'était les plaines d'Abraham, j'avais choisi, beau résumé, beau travail, il comme tout fait. Après ça, j'ai redemandé à ChatGPT, euh, réécris-moi-le, hum. mais comme un élève de secondaire 5 avait 10 fautes d'orthographe. Puis il avait réécrit dans un vocabulaire plus simple, plus approximatif. Et puis il avait intégré hein? 10 là, belles fautes d'orthographe. Hein. Qui... Donc, ouais. tu peux peur. même lui demander de te mettre tes fautes si tu veux que le prof soit pas oui? trop... que ce soit pas trop suspect. Quand <laughs> même, quand même. J'ai une idée. On pourrait proposer un défi incroyable à ChatGPT. À quel moment Sophie Thibault devrait l'an prochain changer ses pneus d'hiver? <laughs> Hey, hein? pas le 15 avril. Elle a pris sa leçon. C'est pas fou. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé ChatGPT GPT dans mon temps pour mes cours de physique et de chimie. Ah oui. Moi, c'est l'algèbre. Oh. Ah, oui. ouais. Bien, on en apprend des choses. Merci. À vous Au, trois. Revoir. Au revoir. Au revoir.